Hola, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des dreads. Tout d'abord je vais juste vous expliquer deux petites secondes pourquoi je ne suis pas maquillée. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement pu voir ma story. Hier je me suis gentiment fait réveiller par Pepper qui m'a glissé son ongle dans l'œil, dans l'iris bien profond et j'ai pu faire un petit aller-retour aux urgences. J'ai fait deux petits malaises des familles parce que bah voilà. Mais heureusement je vais pas devenir aveugle, je vais juste avoir un mal de chien pendant un petit moment et je vais devoir me trimballer non maquillée comme ça. Ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses, les dreads. J'ai eu pas mal de questions en fait, des gens qui voulaient se faire des dreads et donc je pense que ce serait cool d'y répondre. Pour ceux et celles qui veulent se faire des dreads, en fait, il faut d'abord vous poser une question. Est-ce que vous voulez les faire vous-même, tout seul, ou est-ce que vous voulez que quelqu'un vous les fasse, genre un dreader professionnel ou une dreadeuse professionnelle? Dans ce cas-là, si vous voulez aller à la recherche de pros, vous pouvez aller sur le forum Dread France. Je crois que c'est Dread France. Si c'est pas ça, je mettrai le bon lien ici, hein. Et sinon, vous avez aussi des pages Facebook. Là, il faudra chercher un petit peu parce que je connais pas trop. Où vous avez des dreaders qui font leur pub, donc vous pouvez voir par rapport à votre région s'il y en a un dans les coins, etc. Les prix varient quand même en général. Je pense que le moins cher, ça va être genre 10 € par heure et il faut savoir qu'une tête entière ça va mettre au moins 8 heures. Après ça va dépendre de la longueur des cheveux. Si vous passez par un dreader, je vous conseille de lui demander s'il y a des choses en particulier qu'il faut faire avant de se faire dreader la tête. Par exemple, moi j'aurais conseillé de se laver les cheveux au savon d'Alep pendant un mois avant la session de dread pour essayer d'assécher un petit peu pour essayer d'assécher un petit peu le cheveu, j'ai réussi. Et il faudra complètement arrêter d'utiliser tout ce qui est après-shampoing, shampoing de supermarché, etc. Je vous conseillerais de choper des shampoings qui sont vraiment faits pour les dreads. Donc là, moi j'ai Dreads UK qui m'a envoyé un shampoing Onak Champa. Donc c'est vraiment un shampoing super cool, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il sent trop bon, en plus c'est une petite pompe, donc ça c'est vraiment très très utile. Après c'est mon coup de cœur énorme, genre c'est le shampoing de chez Lush, il s'appelle New je crois. Ça fait un moment qu'il est sorti et il est censé faire pousser un petit peu les cheveux, mais c'est juste, il sent trop trop bon, il est aux épices. Faut pas être allergique par contre aux épices, donc faites gaffe. Ce que j'adore avec celui-là en fait, c'est qu'on peut directement le masser comme ça sur la tête, sous l'eau. Je sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire normalement, hein, ok, mais m'en fous, je le fais quand même. Voilà, c'est un petit peu ce que j'utilise. Ça c'est à partir du moment où vous avez vos dreads. Le premier gros truc qu'il faut savoir sur les dreads, en gros, préparez-vous les gars parce que ça fait mal. Un mal de chien, je vous jure, c'est vous faites un facelift en fait, genre vous ressortez, vous êtes comme ça. Ça vous tire sur le crâne, un truc de dingue. Prévoyez des antidouleurs ou quelque chose comme ça parce que vraiment, je vous jure, je déconne pas, ça fait vraiment mal. Je vous conseille d'acheter un petit pchit, mettez-y de l'eau et mettez-le au frigo. Le soir après votre session de création, vous pourrez pchiter sur les racines et en fait ça va vous soulager de ouf. Donc voilà, ça c'est mon petit tip soulagement. Pour dormir avec les dreads toutes neuves, vous pouvez juste relever toutes vos dreads et les mettre par-dessus votre coussin. Donc après, l'aspect esthétique. Il faut savoir que vous allez perdre en longueur. Vous allez perdre un tiers à peu près de votre longueur. Et ça, ça fait mal aux fesses. En gros, si vous avez les cheveux là, non dreadés, vous allez les avoir là quand ils vont être dreadés. Et bah, c'est un truc qu'on déteste tous. Et malheureusement, c'est pas fini. Ça, ça va continuer pendant au moins un an. En gros, vous allez perdre de la longueur toute la première année parce que la dread va se tasser en feutrant. Le feutrage, c'est quand la dread devient mature. Donc en gros, c'est quand ça vient vraiment faire comme de la laine en fait. Donc ouais, faut accepter qu'en fait, les dreads, ça va pas faire pousser les cheveux plus vite. On va pas avoir une sensation de longueur, sauf si vous faites des extensions. Les extensions, j'en parlerai plus tard parce que là, ça va devenir trop long sinon. Il y a plusieurs façons de faire les dreads. En gros, vous pouvez faire au rip and twist. Non, twist and rip. C'est prendre une mèche de cheveux, la frotter comme ça et tirer sur le bas après pour faire remonter les nœuds. C'est quelque chose qui défonce les cheveux, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, franchement. Moi, je préfère vraiment
Y aller au crochet. Le crochet par contre, faut savoir que ça bousille les cheveux aussi, donc il faut vraiment pas en abuser, faut juste faire la création et après faut les laisser tranquilles. Genre, erreur de débutant, c'est de retaper ses dreads trop souvent dès le début. Donc vraiment, je vous conseille de laisser vos dreads tranquilles, même si vous avez des cheveux qui sortent, même si vous avez l'impression que ça se défait, parce que je vous assure, ça se défait pas si vous suivez mes conseils. Mais il est où mon crochet? Si vous faites vos dreads tout seul, je vous conseille de d'abord délimiter en fait le quadrillage. Donc le quadrillage c'est quoi? C'est la délimitation des racines, donc vous allez pouvoir vous faire plein de petits kikis à l'aide de petits élastiques en caoutchouc. Donc soit vous pouvez faire un quadrillage qui est vraiment ordonné, soit vous pouvez faire un peu comme moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment juste pris des petits cheveux par-ci par-là et je me suis dit ok ça va faire cool, allez on y va. Donc une fois que vous avez commencé à faire votre quadrillage, si vous le faites tout seul, vraiment vous allez en avoir pour longtemps, je vous le dis, vous allez en avoir pour 2-3 jours. Donc prévoyez pas d'avoir votre rancard du mois ce soir-là, parce que vraiment vous allez être moche. Il faut savoir vraiment que les premiers jours et les premiers mois, c'est vraiment pas beau du tout. Vous allez ressortir de la séance avec des dreads toutes raides, avec le quadrillage hyper délimité, ça va vous tirer de ouf, ça va vraiment pas être beau. Si vous voulez faire une couette, en gros votre couette elle va partir comme ça, genre tout va être droit, c'est comme si vous avez du fil de fer sur la tête. Je vous conseille de pas les laver pendant au moins un mois quand vous venez de les faire. En fait, je sais que ça peut paraître sale pour certains, mais vraiment, c'est le truc qui va faire en sorte que vos dreads ne vont pas se défaire. Les dreads se défont si vous vous y mettez beaucoup d'eau, parce qu'en gros, on va se dire que ça, c'est l'intérieur d'une dread. Bon, c'est pas aussi gros que ça, hein. Mais si vous y mettez de l'eau dedans, elle va gonfler, elle va faire comme une éponge, et petit à petit, les petits cheveux vont sortir et vont se défaire. C'est quelque chose auquel il faut vraiment penser, il faut pas aller mouiller trop souvent le premier mois. La pluie ça compte pas, hein. Une fois que vos dreads seront matures, donc c'est-à-dire à peu près comme moi, là ça fait quoi, ça fait 2 ans, 3 ans je les ai, là vous pourrez les laver plus souvent, vous pourrez les laver au max 2 fois par semaine, mais franchement je vous conseille pas, ça sert à rien de les laver aussi souvent. Une fois par semaine ça suffit largement. Et encore. Pensez aussi au fait qu'on a au moins tous 100 cheveux qui tombent par jour. Donc nous, avec nos dreads, ce qui est cool, c'est qu'ils vont pas tomber, c'est qu'ils restent dans les dreads. Le truc, du coup, c'est qu'il faut penser à la taille de la dread dès le début. Les dreads vont grossir grâce à ces cheveux qui ne tombent pas. Donc ne faites pas des dreads super grosses parce que sinon vous allez être surpris dans quelques années. Je pense que le mot qui représente bien les dreads, c'est patience. Il faut de la patience pour tout le processus. Que ce soit faire les dreads parce que ça dure une journée voire plus, attendre la maturité de vos dreads parce que ça met super longtemps, attendre que vos dreads sèchent parce que après une douche je vous assure que ça reste mouillé pendant un jour et demi, et attendre que ça pousse évidemment parce que ça met super longtemps. Je vous attends... On m'a demandé si on pouvait colorer les dreads, évidemment on peut les colorer, moi je le fais assez souvent. Je vous conseille quand même d'attendre au moins un mois pour la coloration, comme ça elles se défont pas facilement avec le processus de lavage etc. pour la coloration. Il y a des petites choses à éviter et ça on le sait pas tout le temps en fait quand on commence à faire les dreads. Par exemple des petits trucs tout bêtes, les pulls en laine ou les pulls qui peluchent. C'est tout con mais quand on les enfile ou quand on les porte, il y a des peluches qui restent sur nos dreads et en fait surtout au tout début quand vous avez vos dreads et qu'elles sont pas encore matures, elles vont prendre ces petites peluches, elles vont rester sur vos dreads et quand ça va feutrer, ces petites peluches vont rester et vont s'enfermer dans vos dreads. Le problème est seulement esthétique mais c'est quand même assez relou d'avoir des petits points noirs ou quoi dans les cheveux. Le crochet, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut pas le faire trop souvent, laver les cheveux non plus, essayez de pas trop toucher vos cheveux, genre les rouler pas trop, ça c'est des trucs que vous pourrez faire dans quelques temps, mais ne soyez pas trop pressé, il faut vraiment laisser le temps à vos cheveux de s'en mêler. Faites gaffe aussi, tous les produits que vous achetez en grande surface, il y a souvent des démêlants dans vos shampoings, donc je vous conseille vraiment d'utiliser quelque chose qui est spécifiquement fait pour ça ou de vous renseigner vraiment auprès du vendeur. Par exemple, moi chez Lush, j'ai demandé 1000 fois s'il y avait du démêlant là-dedans et on a toujours pu me rassurer en me disant que non, il n'y avait pas de démêlant. Je sais que c'est super cool de décorer ses dreads dès le début parce qu'on est trop content de les avoir, par contre je vous conseille vraiment d'attendre. En gros, les petites perles, ça fragilise vos dreads, donc je conseille vraiment de pas en mettre au début. Et si vous avez des dreads qui sont déjà matures, bougez-les un petit peu, parce que si ça reste en place, ça peut fragiliser et casser la dread. Donc vraiment, c'est le dernier truc qu'on veut.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire des dreads. Si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez m'envoyer vos questions dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous êtes dreadé, si vous allez vous faire dreader la tête, ou encore si vous êtes dreader, genre faites votre petite pub. Je vous souhaite une superbe soirée ou journée, ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous.